Coucou tout le monde, on se retrouve encore du coup pour une deuxième vidéo. Une personne m'a mis dans les commentaires si je pouvais faire un tag, donc les 5 questions que personne ne pose. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et on commence tout de suite. Alors du coup, c'est parti. Alors désolé si vous me voyez regarder sur le côté juste parce qu'en fait je regarde sur internet les questions qu'il faut poser. Donc c'est parti. Dors. Tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? La plupart du temps c'est fermé. Deuxième question. Emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels? Non, pas du tout. Tu dors dans un lit bondé ou pas vraiment fait? Pas vraiment fait. As-tu déjà volé un panier dans la rue? Non. Utilises-tu des post-it? C'est assez rare. 6. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Oui, ça arrive. Tu préférerais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Je sais pas trop. Je sais vraiment pas. Peut-être une armée d'abeilles. Parce qu'une armée d'abeilles, on peut s'échapper. Alors qu'un gros ours, voilà. 8. As-tu des taches de rousseur? Non. 9. Souris-tu sur toutes les photos? Non. 10. Quel a été son plus gros caprice? Je sais pas, peut-être pour manger quelque chose que je n'aimais pas. Je sais pas. Bah, à mon avis, c'était quand j'étais petite. Hein. Voilà. Onze. Comptes-tu les marches que tu montes? Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive. 12. As-tu déjà fait ta petite commission de besoin dans la forêt? C'est peut-être arrivé, mais quand j'étais petite. Et la grosse commission? Je sais pas. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Non. Marches-tu le bout de tes... Marches-tu... on va laver. 1, 2, 3. Mâches-tu le bout de tes stylos et crayons? Ça m'arrive. Et la plupart du temps, je ne fais pas parce qu'après, si je le prête à quelqu'un, ça fait un peu sale. Donc voilà. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Bah, aucune, il n'y a que moi. Hein. Quelle taille fait ton lit? Aucune idée. Quelle est la chanson de la semaine? La chanson de la semaine, c'est Ça paie comme jamais. J'aime bien. Est-ce ok de porter du rose? Non. Regardes-tu encore les dessins animés? Oui, bien sûr. Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Je dirais Les Tuches. J'adore ça. Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un? Je pense que je creuserais dans le jardin, je mettrais le trésor et je reboucherais. Ensuite, que bois-tu en mangeant? De l'eau. Quelle est la sauce que tu manges à tes nuggets? J'aime bien la sauce bubble, mais la plupart du temps c'est mayo en fait. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, je sais pas vraiment. Je sais pas. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore aimer? Les Tuches. La 27, la dernière personne que tu as embrassée.
enfin sur la joue. Je sais pas en fait. Je crois que c'était hier. Je sais pas. Et puis pourquoi cette question d'abord? Enfin bref. 28, as-tu fait les scouts? Alors déjà, je connais pas. 29, poserais-tu une idée pour des magasins? Non. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? Je crois que c'était avant-hier quand j'ai écrit sur un bout de papier à ma mère. En fait, j'allais au collège et il y avait un truc à dire, donc j'ai écrit du papier. Et... 31, sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? J'ai jamais fait. 32, as-tu déjà eu un paiement? 33, tomber en panne d'essence en voiture? Non. 34, ton sandwich préféré? Un sandwich, en fait, genre beurre rosette, tout simplement. 35, la meilleure chose au petit déjeuner? Bah, le Nutella, hein, voilà. 36, en principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Bah, en principe, quand en fait, le lendemain, quand je commence à 8h, et bah, je me couche à 9h du soir, donc 21h. Et quand, bah, comme là, demain, je commence à 9h. Du coup, bah, je pense que je vais me coucher à 10h. Ça, c'est qu'il est 34. Donc, voilà. Alors. 37, es-tu fainéante? Ah oui, ah oui. Faut pas me demander un truc en fait. Enfin, si, mais pas tout le temps. En fait. Enfin, je crois qu'on se comprend, hein. Ouais. Ensuite, quand tu étais petite. Non, 38, quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? Je crois que c'est en citrouille. Je ne sais pas pourquoi. Mes parents adorent la citrouille, je crois. Ouais. 39. Quel est ton signe astrologique chinois? Aucune idée. Combien de langues peux-tu parler? Alors, donc, je parle bah, la France, l'anglais, le portugais. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout. 41, es-tu abonné à un magazine? Avant, j'étais abonnée au Petit Quotidien, mais j'ai arrêté. 42, plutôt Lego ou Domino? Lego, j'adore ça, j'adore construire. 43, es-tu têtu? Parfois, parfois. Pas tout le temps, parce que quand on me demande un truc, je le fais. Même si parfois je suis très feignante. Voilà. 44, Claire Chazal ou Jean-Pierre Perrault? Je veux dire Jean-Pierre Perrault parce que Claire Chazal, je ne connais pas du tout. À 45, as-tu déjà regardé les séries à l'eau de rose? Non, je ne connais pas. 46, as-tu peur du vide? Ah oui, ah oui, ah oui. Enfin là, je suis sur ma chaise, hein, j'ai pas peur, mais bon, je crois qu'on se comprend. 47, chantes-tu dans la voiture? Ah oui, 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 oui. Chantes-tu sous la douche? Oui. Danses-tu dans la voiture? C'est quoi cette question-là? En fait, on est attaché. Hein. Comment on peut danser? On est là. Quelle question de masse. 50. Utiliser un pistolet. Pistolet à eau, oui, mais pistolet. Non, je crois pas, non. Bon, on continue. 51, la dernière fois que tu as été photographié par un photographe. Je crois que c'était jamais. J'ai jamais été photographié, peut-être quand j'étais petite. Hein. 52, aimes-tu des comédies musicales? Oui, mais ça dépend desquelles.